partage choc maintenant. Alors, comme plusieurs francophones, peut-être comme vous d'ailleurs, j'ai mal à ma langue. Est-ce que c'est parce qu'elle est bafouée par des commerçants ou parce que je l'ai coincée dans ma porte de char? Mais selon une récente enquête du merveilleux journal de Montréal, il est de plus en plus difficile pour les francophones d'être servis dans leur langue, même au Québec. Récemment, un passager francophone qui désirait être servi en français à bord d'un vol d'Air Canada s'est vu... s'est vu refuser l'accès à bord. Alors, afin de porter plainte au nom de tous les francophones, M. Clifford Montgomery s'est rendu au siège social d'Air Canada. Mais le problème, M. Montgomery n'est pas francophone et il n'est pas allé au bon endroit. Mais il s'agit quand même d'un très beau documentaire d'un citoyen qui se bat contre Air Canada pour faire valoir ses droits. On écoute. My name is Clifford Montgomery, and I'm a proud Francophone. I'm here at the Air Canada building to give this petition, signed by three people, including my poodle Fifi. Hello, Fifi! Time to be a good citizen. I will now enter the Air Canada building. I will now enter the building a second time with my petition. I'm stuck! I'm stuck! Oh, I'm having chest pain! Chest pain! Give my regards to Fifi! There's now a security guard at the door. Air Canada ici, monsieur. C'est une compagnie d'assurance. En français! Désolé. I don't understand a word he's saying. En français! Ah. I made a little roo-doo-doo, sorry. To give my petition to Air Canada, I will try to seduce the security guard. It's a buffet, all you can eat. Just help yourself. Damn you to hell, Air Canada! C'est une compagnie d'assurance! En français! All I have left is my speed. I'll have to run like the wind. Oh, yes. I'm almost there. I can taste it, and I can smell sweet smell of victory. Yeah. Oh. Okay. Okay. I'm tired. I'm going home. Bye bye now. I'm very disappointed by Air Canada, so I will show my colère by throwing an old Kleenex at the building.